Venez, s'il vous plaît, et tous les autres. Mettez vos guides. Allez-y, vous avez la parole. Monsieur le Président. Allez-y. Messieurs du tribunal, je disais tout à l'heure que le colonel Moussa Tchebolo Camara est renvoyé également devant ce tribunal pour être jugé pour les faits de complicité de meurtre et d'assassinat. J'avais déjà indiqué les insuffisances de l'ordonnance de renvoi qui n'indique aucune circonstance de la commission de ces infractions. Pas le lieu, alors que l'itinéraire qui a été présenté ici tout à l'heure ne pouvait pas permettre au colonel Moussa Tchebolo Camara d'agir de la sorte. Donc, comme il s'agit de complicité, le colonel Blaise Goum, qui était effectivement à l'esplanade du stade du 28 septembre. Monsieur Souri Kondé, ces personnes n'ont pas déclaré avoir commis des infractions, ou personne n'a déclaré à l'audience ici que ces personnes ont commis des infractions et qu'ils auraient reçu des instructions de colonel Moussa Tchebolo Camara. Au cours des débats maintenant, Monsieur Ouri Bailoba a déclaré à l'audience du 14 février 2023 que lorsqu'il est arrivé au camp Alfaya, ce que j'étais en train de dire lorsqu'on m'a interrompu, qu'il entendait des cris de détresse des manifestants dans les violons, que des gendarmes ouvraient le feu sur les gens qui en sont morts, et ces gendarmes étaient avec le colonel Moussa Tchebolo Camara. Je disais que premièrement, Monsieur le Président, aucune preuve de la mort de ces personnes n'a été apportée au débat. Aucune preuve. Aucune preuve de la présence du colonel Moussa Tchebolo Camara à cet endroit, ce jour-là, n'a été apportée au débat. Troisièmement, à supposer même qu'il est avéré que le colonel était présent à cet endroit, il va falloir, parce qu'on approfondit la situation, il va falloir apporter la preuve que l'acte matériel, la preuve de l'acte matériel de complicité. Or, la prétendue victime ou la prétendue partie civile ne l'affirme même pas, a fortiori de le prouver. Est-ce que le tribunal va fonder sa conviction sur des déclarations non crédibles d'une partie civile comme Talatou Garanke Diallo ou Oumar Diallo, en occultant les témoignages crédibles de M. Sori Keita et Fayumba Camara,
pour retenir le colonel Moussa Tchebro Camara dans les liens de la culpabilité. Lorsqu'ils disent que c'est le colonel Moussa Tchebro Camara qui commandait tous les gendarmes au stade du 28 septembre. La réponse est non. On a suivi la déposition du général Ibrahima Baldé qui a été très claire. Il nous a indiqué comment il a agi. Donc, dans son procès verbal également, le procès verbal du témoin du 26 juin 2013 et à l'audience, aux audiences d'ailleurs des 6 et 11 décembre 2023, il a déclaré ceci. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes. Encore Maître Tapsi Diallo, il en avait profité dans ses plaidoiries pour faire les calculs et déterminer exactement, hein, très intelligent, exactement le nombre de personnes qui avaient été déployées par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Comment on peut alors dire que tous les gendarmes qui étaient au stade étaient sous ordre de colonel Moussa Tchebro Camara? Mais c'est incroyable ça. Alors que le colonel Blaise a été très clair. Il y avait 3 équipes de tel nombre de personnes. C'est vérifiable, avec documents à l'appui. Il aurait fallu que les juges d'instruction appellent le planificateur. Cela n'a pas été fait. Il aurait envoyé la planification et aurait éclairé la religion des juges d'instruction. Mais on n'a rien demandé. À partir du moment où Blaise a dit, bon, Blaise était, le colonel Blaise était là, allez, on dit, bon, on vous inculpe. On vous inculpe. Les autres viennent, on dit, non, vous, on vous entend en qualité de témoin. Ce n'est pas possible, ça. Il advenait de même, Monsieur le Président, de Monsieur Abdoulhamid Diallo et Abdoulaye Djibril Barry, lorsqu'ils disent que c'est la menace du colonel qui fait qu'on l'implique dans ce massacre. Ou que le colonel savait ce qui allait se passer au stade du 28 septembre. Est-ce qu'on est dans le subconscient de l'accusé pour savoir qu'il savait ce qui allait se passer au stade du 28 septembre? Quelqu'un qui vient pour sensibiliser. Personne d'autre n'a pris cette initiative. Après, il a compris qu'on ne pouvait pas le comprendre. Il s'est retiré. Il a eu un accord, bien sûr, avec les leaders, mais il s'est retiré. Après, on dit non. Ben, c'est parce que vous avez menacé. Ça ne marche pas comme ça. Aucune forme de ces menaces, dans ce dossier-là, en tout cas. Et ceux qui démontrent qu'ils savaient, cela n'a pas été démontré devant ce tribunal-là. Aucun élément du dossier, de ce dossier, ne permet de soutenir de telles allégations. Les déclarations de M. Amadou Ba à l'audience du 19 juillet 2023 sont-elles suffisantes pour entrer en condamnation contre le colonel Moussa Tchebro Camara pour complicité? Je dirais non. Oui, il ne suffit pas de dire que ceux qui portaient les armes étaient en body noir et que l'un des substituts du procureur de la République, en l'absence de toute preuve, sur fond de construction fictive, allègue que ces éléments sont les éléments de colonel Moussa Tchebro Camara. C'est trop facile. Que ce sont les éléments de colonel Moussa Tchebro Camara qui s'habillaient comme ça. Mais quel élément? Mais quand on est procureur, on doit être en mesure de dire oui, c'est tel élément. Voilà, c'est tel élément qui a été identifié et qui relève des services spéciaux. Mais n'importe qui pouvait se mettre en body noir ce jour-là. Et on considère que oui, il relève des services spéciaux. Mais c'est banal. Ça, c'est l'arbitraire. Ce qu'a dit également Amadou Korka Diallo à l'audience du 24 octobre 2023 ne peut constituer une complicité de coups et blessures.
Le colonel a dit à l'esplanade, c'est ce qu'il dit, attrapez-les. Et il a couru, mais il a été rattrapé par un policier qui lui a donné un coup de pied, fracturant son pied. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, dites à monsieur, à travers votre décision, à monsieur Mamadou Djuma Diallo, Abdoulaye Djibril Barry, Abdoulaye Djibril Diallo, qu'il n'y a pas de complicité par abstention. Ça n'existe pas en droit. Même s'il était avéré que c'est le colonel Moussa Chebero Camara qui a dit à l'esplanade c'est fini en soulevant son talki-walki, ou qui a fait des gestes en croisant les mains, ou encore c'est le groupe de colonel Moussa Chebero Camara et les bérets rouges qui ont bloqué les issues, quel qu'en soit. Il n'y a pas de complicité par abstention. Monsieur Amadou Diallo de la BBC, que je respecte très bien, ne sera pas entendu par votre tribunal. Déjà, son action est irrécevable. Subsidiairement, il ne sera pas entendu par votre tribunal sous la complicité de coups et blessures volontaires. Lorsqu'il allègue, il n'a fait qu'alléguer, que n'ayant pas reçu à dissuader la foule, en quittant les lieux, le colonel a fait un geste de la tête. Et lorsqu'il a quitté les lieux, les policiers et les gendarmes ont fait usage de gaz lacrymogène et des matraques et procédé à des arrestations. Il soutient lui-même ne pas, comme je viens de le dire tout à l'heure, ne pas pouvoir interpréter ou dire ce que signifie ce geste. Mieux, ce que la confrontation a relevé est largement suffisant pour débouter purement et simplement M. Diallo. De même, les déclarations de M. Lamine Camara à l'audience du 18 octobre 2023 ne sont pas prouvées. Il dit à l'esplanade, j'ai vu le colonel Moussa Chebero qui parlait avec les gens sur le report du meeting. Entre-temps, j'ai dit à Bad Hadis, et le colonel a dit à ses hommes de m'arrêter, et ils l'ont fait. Il a ajouté que personne n'a œuvré pour le 28 septembre comme le colonel Moussa Chebero Camara. Hein? Quelle est la preuve? Mais en tout état de cause, comment le colonel peut donner des instructions à l'effet de l'interpeller? Il ne se retrouve pas, je lui ai posé la question ici, il ne se retrouve pas aux services spéciaux, il se retrouve à l'écho 1. C'est grave. On aurait dû le retrouver à la base des services spéciaux, si c'est le colonel qui a donné des instructions à l'effet de l'interpeller. Aussi, monsieur le président, les déclarations de monsieur Abdourahmane Ba à l'audience du 8 5e 2023 sont à prendre avec des pincettes. Il a affirmé que le colonel était dans l'enceinte du stade, qu'il était devant les grillages. Et il a dit de laisser passer les leaders et d'ouvrir le feu sur les autres. Incroyable. La preuve de cette allégation n'a nullement été apportée au débat. Mais en tout état de cause, parce que Lounsé Nifal, lui, il était là. Il est venu à l'audience ici, il a été très clair. C'est ça, parce que quand on veut monter une cabale, lorsqu'on veut faire un montage, on doit savoir le faire. Un crime n'est jamais parfait. Monsieur Lounsé Nifal a déclaré à l'audience du 23, le primitif en fait foi, du 28 mars 2023, que le colonel Chebro n'était pas présent sur les lieux de leur agression par les assaillants. Il voulait parler de la pelouse notamment. Il a été très clair. Le colonel n'était pas présent. Mieux, M. Baouri, M. le Premier ministre, a aussi déclaré à l'audience du 20 mars 2023 ce qui suit. De la porte d'entrée de l'esplanade, le colonel est venu directement sur ma position pour nous aider. J'étais à côté de monsieur Elhadj Sellou Dalein Diallo, blessé. Il nous a fait sortir en dissuadant ceux qui cherchaient à nous agresser.
une personne responsable qui s'est exprimée aussi devant ce tribunal. Donc, il venait, le colonel venait de l'extérieur du stade et non de l'intérieur, contrairement aux déclarations de M. Abdourahmane Ba. Donc, il n'est pas établi, contrairement à ses affirmations, que le colonel a donné des instructions pour faire quoi que ce soit. Un point sur la prétendue complicité, Monsieur le Président. Il est un fait constant dans ce dossier que personne ne peut contester, que le parquet et les parties civiles refusent d'admettre un fait. Pas un seul élément des services spéciaux n'a été cité pour avoir donné la mort sur instruction de colonel Moussa Tchebro Camara. Pas un seul encore. Je mets au défi quiconque. Ni le colonel Blaise, ni M. Sori Kondé, ni encore moins M. Farimba Camara. En tout état de cause, Monsieur le Président, nous parlons avec des preuves. Dans l'un des supports audio écoutés à l'audience publique, un témoin a soutenu qu'aucun élément des services spéciaux n'était détenteur d'une arme à feu. Aucun. Le colonel Blaise a été très éloquent sur la question. Il a donné toutes les explications possibles. Il y a lieu, Monsieur le Président, dans ces conditions, d'acquitter purement et simplement le colonel Moussa Tchebro Camara pour crime non imputable en application toujours des articles 442 et 544 du Code de procédure pénale. Votre honneur, messieurs les assesseurs, le colonel est en outre renvoyé devant ce tribunal pour enlèvement, séquestration, torture et complicité. Au sujet de l'enlèvement et de la séquestration et de leur complicité, les articles 333 et suivants du Code pénal sont très clairs. C'est le fait sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne. Il faut tout de suite attirer l'attention du tribunal en ce qui concerne la torture. C'est très important. L'ancien code pénal, je dis bien l'ancien code pénal en vigueur, au moment des faits, ne prévoyait pas la torture. La torture n'était pas incriminée dans l'ancien code pénal. Vous pouvez vérifier. Donc, le tribunal ne doit pas tenir compte de cette nouvelle incrimination issue du code pénal de 2016. En application, bien sûr, de l'article 5 du Code pénal, au terme duquel nul ne peut être puni pour un crime dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul homme crimen, nulla poena sin allegé. Nul crime, nulle peine sans texte de loi. C'est un principe universel. Nous parlons bien sûr ici, dans le cas d'espèce, de l'incrimination et non de la peine. Nul homme crimen sin allegé. C'est l'expression du principe fondamental de la légalité des délits et des peines. Donc, sous réserve de cette précision, il convient de noter, Monsieur le Président, pour les autres infractions, qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, qu'il ressort des pièces versées au dossier, que plusieurs manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés au camp Alpha Yaya Diallo. Que des parties civiles ont expliqué avoir été séquestrées et soumises à des traitements inhumains et dégradants au camp Alpha Yaya Diallo, que tous ces actes ont été commis, selon les parties civiles, par le colonel Moussa Tchebro Camara et autres.
par le colonel Moussa Tchéboro Camara et autres. C'est ce qui ressort de l'ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi parle des pièces du dossier. Quand on dit pièces du dossier, au moins, on ouvre les parenthèses. Même si on ne met pas deux points, on les liste, on ouvre les parenthèses, on cite. Mais aucune pièce du dossier. Les procès-verbaux qui sont au dossier ont fait l'objet de contestations. Ces personnes sont venues ici, notamment au cours de la confrontation, on a vu ce que ça a donné. Donc l'ordonnance est muette sur cette question. Qui sont les manifestants formellement identifiés qui ont été enlevés, séquestrés et torturés par le colonel Moussa Tchéboro Camara? Rien. Qui sont ces personnes qui étaient avec le colonel, qui auraient agi avec le colonel? Rien absolument. Mais, monsieur le président, messieurs les assesseurs, on veut vous amener, le parquet et les parties civiles veulent vous amener à dire vous aussi dans votre jugement, ce que vous ne ferez pas, moi je vous connais, selon les pièces du dossier, sans citer aucune pièce, selon certaines parties civiles, sans les citer. Des manifestants ont été enlevés. Quels manifestants? Je suis convaincu que votre démarche et votre résultat seront différents de ceux des juges d'instruction. Pour poursuivre, parce qu'elles sont venues nombreuses ici, celui-là qui vient, tant qu'il ne parle pas de colonel, j'ai dit à colonel, bon, désormais c'est votre dossier, hein, ce n'est plus le dossier de quelqu'un d'autre, c'est votre dossier. Dès qu'il commence à parler, dès que je suis arrivé, j'ai vu le colonel à l'esplanade, même s'il n'était pas au stade. Donc, ce qui fait qu'on nous a rendu la tâche vraiment énorme, très difficile. À l'audience du 16 mars 2023, M. Yagouba Barry a déclaré qu'il a été détenu au camp Alpha pendant 12 jours. Heureusement, il n'a jamais dit qu'il a été enlevé et détenu, séquestré et torturé par le colonel Moussa Tchéboro Camara. Des questions lui ont été posées dans ce sens. Monsieur Mamadou Kali Diallo a déclaré à l'audience du 3 octobre 2023 que le colonel Tchéboro lui a fait subir toutes les violations des droits de l'homme. Mais c'est trop fort. Avec les matraques sur la tête. Je reprends in extenso son propos. Au service, il a ordonné de nous mettre dans un conteneur. Après toutes sortes de tortures, sans issue, il nous a mis au soleil. Mais le colonel a été très clair. Il n'a nullement constaté, parce que je vous ai dit tout à l'heure que ce sont des événements qui remontent au 28 octobre 2009, un mois après les événements. Donc, j'ai indiqué pourquoi le tribunal ne devait même pas en tenir compte. Mais subsidiairement, on est obligé d'en parler. Le colonel n'a pas constaté sa présence. Le colonel était en contact direct avec notre confrère, Maître Tcherno Souleymane Baldé, qui s'est librement rendu au camp Alpha Yaya, même s'il l'a contesté ici, avec d'autres personnes, sans aucune contrainte. Parce qu'il a dit qu'il voulait rencontrer le président de la République. Et voilà. En tout état de cause, personne n'est venu déposer ici dans le sens de M. Mamadou Kali Diallo. Aucun témoin. Sur les 21. C'est la seule déclaration de M. Mamadou Kali Diallo contre celle du colonel Moussa Tchéboro Camara. Vous appartient de trancher. Monsieur Yagouba Barry, parti civil également, a déclaré à la décharge de l'accusé qu'il n'a vu aucun conteneur chez le colonel Moussa Tchéboro Camara. Qu'il n'a vu aucun conteneur. Le plumitif en fait foi. Et mieux,
le ministre, son Excellence, Thibaut Camara, à l'audience du 14 novembre 2023, a déposé en ces termes. Je n'ai pas vu de conteneur au niveau des services spéciaux. À ma connaissance, aucune personne n'a été torturée au niveau des services spéciaux. Sinon, j'allais dénoncer. C'est quelqu'un qui était régulièrement au camp. Mais il dit qu'il allait dénoncer. Monsieur Mamadou Kali Diallo était avec notre confrère Tcherno Souleymane Baldé qui a déclaré à l'audience du 24 juillet 2023 ce qui suit. La journée s'était bien passée. Et vers 19h, contrairement à Mamadou Kali, 0h, nous sommes rentrés à l'intérieur de la salle pour essayer de dormir. Le ventre vide, sur nos nattes et matelas, soudain, 30 minutes après, nous avons été surpris de voir les portes de la salle tomber par terre, alors qu'elles n'étaient même pas fermées à clé. Le commandant Moussa Tcheboro Camara, ministre chargé de la lutte contre le trafic de la drogue et du banditisme, et ses hommes venaient de défoncer les portes pour nous traîner à l'extérieur de la salle, soit par le pied, soit par les bras. Les insultes, les menaces et les coups fusaient de partout. Nous ne comprenions absolument rien. Nous étions pris d'angoisse, de peur, de douleur et de panique totale. Nous avons été jetés et entassés dans deux pick-up comme des sacs de pommes de terre. Les pieds de nos bourreaux confortablement assis, posés sur nous. Moi, personnellement, j'avais le sentiment d'avoir commis un crime irréparable et impardonnable pour être traité de la sorte. Mais contrairement à ces déclarations, il n'a été nullement contraint de se rendre au camp Alpha Yaya Diallo, parce que c'est lui qui a dit au colonel qu'il voulait rencontrer le président de la République pour discuter des différents points de revendication. Et c'est dans une convivialité, comme je l'ai rappelé ici, que les deux se sont quittés, parce qu'il a reçu la somme de 5 millions de francs guinéens des mains de Colin Moussa Tcheboro Camara, à l'effet de couvrir les dépenses qu'il aurait engagées pour organiser la grève de la faim. En tout état de cause, nous sommes devant un tribunal criminel. La preuve de l'enlèvement, de la séquestration ou même de la torture n'est pas apportée au débat. C'est sa déclaration. Monsieur Alpha Amadou Baldé, qui a déclaré à l'audience du 4 avril 2023 avoir été torturé dans les locaux des services spéciaux, s'est exprimé en ces termes. On a fait 4 jours dans les locaux du colonel Tchebro, privé de manger, de soins, toujours frappé et torturé. Mais qu'est-ce qui prouve devant ce tribunal sa présence au siège des services spéciaux? Rien. Puisque d'autant plus que lui-même, il a déclaré n'avoir pas vu le colonel Tchebro au niveau des services spéciaux. La question lui a été posée dans ce sens. Comment, dans ces circonstances, le colonel peut être déclaré auteur d'enlèvement, de séquestration ou de torture? Vous ne l'avez même pas vu. Au sujet de la complicité de ces infractions, Monsieur le Président, il est indiqué dans l'ordonnance de renvoi que selon plusieurs autres parties civiles, on dit plusieurs autres parties civiles, le colonel Moussa Tcheboro Camara avait pleine connaissance de cause des enlèvements, séquestrations et tortures infligé aux manifestants au camp Alpha Yaya Diallo. Mais qui sont ces partis civils? L'ordonnance ne dit absolument rien. Silence radio. La présence de M. Abdoulhamid Diallo dans les locaux des services spéciaux n'est pas prouvée. Les instructions qui auraient été données par le colonel, selon Monsieur Mamadou Kali Diallo,
de les mettre dans un conteneur ne sont pas prouvées non plus. Beaucoup de contradictions relevées au cours de la confrontation, contradictions sur le temps, sur les personnes, entre Mamadou Kali, M. Mamadou Kali Diallo et Maître Tierno Souleymane Balde. Il y a lieu, dans toutes ces conditions, Monsieur le Président, de l'acquitter purement et simplement pour crime non imputable et pour fait poursuivi ne constituant pas une infraction à la loi pénale en ce qui concerne la torture, en application des mêmes dispositions, articles 442 et 544. Il est également renvoyé devant votre tribunal pour complicité de coups et blessures volontaires, prévu et puni par les dispositions des articles 239 et 242 du Code pénal. À ce sujet, il ressort de l'ordonnance de renvoi que les coups, blessures et violences volontaires ont été commis par des gendarmes des services spéciaux, que le colonel Moussa Tchéboro Camara a provoqué ou donné des instructions pour la commission de ces infractions. Quel gendarme ? Je vous ai indiqué ici tout à l'heure, sur la base de la déposition du général Baldé. La provocation, les instructions, par quelle manière ? Rien, absolument. En tout état de cause, les officiers Blaise Goum, Ibrahima Camara Di Kalonzo, qui n'étaient même pas au stade du 28 septembre, Sori Kondé et Farimba, n'ont pas déclaré où il n'a pas été prouvé que ces personnes-là ont donné des coups ou ont fait des blessures quelconques. En tout état de cause, la complicité n'est punissable que si les actes correspondants à ceux décrits à l'article 20 du Code pénal sont réalisés et prouvés. Réalisés et prouvés. Tel n'est pas le cas en l'espèce. À l'audience du 9 mai 2023, M. Abdoulaye Troaba a déclaré ce qui suit. C'est le groupe de colonel Tchéboro qui nous a frappés. Je suis victime. Le colonel Tchéboro et ses hommes sont à l'origine des coups et blessures dont j'ai été victime. Mais cet autre n'affirme même pas, a fortiori, de prouver que le colonel a donné des instructions à ces hommes à cet effet. Il ne cite aucun élément des services spéciaux qui était avec le colonel au stade du 28 septembre ou sous la pelouse. Aucun témoin n'a déclaré ici avoir vu le colonel sur la pelouse du stade du 28 septembre. Les déclarations de M. Aldjuma Diallo à l'audience du 8 mai 2023, celles de M. Abdourahmane Ba, selon lesquelles ils ont été agressés par le colonel et ses hommes, sont dépourvues de preuves. Elles sont battues en brèche par celle de M. Baouri lorsqu'il dit ceci. Moi, je n'ai pas lâché d'un seul pas le président Dalin. De sa blessure sur la pelouse, jusque dans la cour où le colonel Tchéboro nous a sauvés en nous prenant pour l'hôpital Ambroise Paré, puis au camp Samouri. Le 16 mars 2023, l'audience du 16 mars 2023, M. Yacouba Bari dit qu'il a été poignardé par les éléments des services spéciaux. Il a été poignardé. Mais ne dit pas que c'est le colonel Tchéboro qui a donné des instructions à l'effet de le poignarder. Encore que l'agression dont il aurait été victime n'est pas établie, Monsieur le Président. Il en est de même des déclarations de M. Mamadou Kali Diallo et de Maître Tierno Souleymane Bari, Tierno Souleymane Balde. En conséquence,
La responsabilité pénale de l'accusé ne peut donc être retenue pour complicité de coups et blessures volontaires. Il y a lieu donc de l'acquitter purement et simplement pour crime non établi. Il y a trois autres infractions, à savoir la complicité de vol à main armée, l'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours à une personne en danger, qui seront présentées tout à l'heure par Maître Abdoulaye Keita et Maître Lansine III, Camara constitué à mes côtés. Il est maintenant question, Monsieur le Président, avant de me retirer, de donner, comme on le dit dans notre jargon, le dernier coup de marteau. Vous l'avez relevé, si on vous demandait tout à l'heure de rendre votre décision sur siège s'il était seul poursuivi. Je vous connais pour ça. Les trois d'ailleurs. S'il était seul poursuivi, je suis convaincu que c'est aujourd'hui qu'il aurait regagné sa famille. Aujourd'hui. Mais il y en a d'autres. Il allait regagner sa famille aujourd'hui. Vous aurez pris une décision sur siège, je vous connais pour ça. La dernière audience qu'on a tenue à Mamou, il y avait à peu près le même nombre de personnes. Débat le même jour. Plaidoirie et réquisition le même jour. Décision le même jour. Ce n'est pas le procureur Sidiki, ici présent, qui dira le contraire. Il était là. On était du même bord. Ça, on était du même bord. Il défendait les intérêts de l'État. Crime phonique et floristique. Monsieur le Président, les infractions poursuivies n'étant pas établies à l'égard du colonel Moussa Tcheboro Camara, il y a lieu de l'acquitter. Et d'ordonner qu'il soit libéré purement et simplement s'il n'est retenu ici pour une autre chose. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, l'histoire nous jugera tous, avocats, greffiers, magistrats, interprète, journaliste, l'histoire nous jugera. Messieurs du tribunal, vous avez entre les mains, Monsieur le Président, quelque chose de formidable. Ah oui, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez là. Vous avez quelque chose de formidable entre les mains. Ça, c'est le fait de Dieu. L'honneur de la justice. Oui, l'honneur de la justice guinéenne. Moi, j'ai toujours fait confiance au juge, toujours. Toujours, toujours. Parfois, je l'ai regretté. Hein? Oui, mais j'ai toujours fait confiance au juge. C'est ce qui fait que je viens plaider, sinon j'ai autre chose à faire. J'ai confiance en vous, Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, ne suivez pas ce parquet. Mais à l'image de Maître Leclerc, je sais que vous exercez, Monsieur le Président, le métier le plus beau. Vous jugez les hommes en votre âme et conscience.
jugez les hommes en votre âme et conscience. C'est trop fort. L'honneur de la République, monsieur le Président, et de la justice est entre vos mains. L'honneur de la République de Guinée et de la justice est entre vos mains, monsieur le Président. Défendez-le, monsieur le Président. Vous ne pouvez le défendre qu'en acquittant purement et simplement le colonel Moussa Tchebolo Camara. J'en ai terminé, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, mes distingués assesseurs. Monsieur le Président, Monsieur le distingué assesseur, permettez-moi, Monsieur le Président, c'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole devant cet auguste tribunal pour présenter ma plaidoirie, Monsieur le Président, je dis bien ma plaidoirie. Monsieur le Président, mes distingués assesseurs, je voudrais rendre grâce à Dieu, dans la volonté que rien ne serait été possible. À mon père, à ma très chère mère, je dédie mes sentiments de profonde gratitude, eux qui m'ont toujours encouragé à poursuivre mes études. Je les remercie de m'avoir forcé et guidé dans la bonne voie. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, votre honneur, ils m'ont inspiré, Monsieur le Président, à avoir des idées que je présente aujourd'hui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, je remercie également mon oncle Demba Diaby, actuellement en service au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, professeur à l'Université générale Lansana Conté de Symphonia. Monsieur le Président, pour ses efforts, ses sages conseils et précieux conseils, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les distingués assesseurs, mes remerciements vont à l'égard des frères et sœurs, en particulier M. Momine Keïta, à qui je tiens à témoigner toute ma sincère gratitude pour son assistance financière, moral et matériel, Monsieur le Président. C'est un oncle, il s'est beaucoup battu pour moi, Monsieur le Président, de l'école primaire jusqu'à l'université. Monsieur le Président, également à mon grand frère, Mamadou Keïta, digne chef de famille, dont l'intégrité, l'amabilité et l'humanité forcent le caractère. Il a toujours su être pour moi une bouée sur laquelle je m'accrochais, tel un naufragé, seul dans l'immensité de l'océan. Monsieur le Président, ces précieux conseils
et autres en direct, Monsieur le Président, m'ont toujours tout à tout permis au gré du temps. Me forcer, Monsieur le Président, une personnalité et me fixer des objectifs nobles et à l'atteindre. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, malgré la petitesse de ces moyens, face à la grandeur des défis quotidiens à relever, il s'est montré brave, endurant à toute épreuve. Son courage, Monsieur le Président, qui m'a permis de satisfaire mes besoins en matière de documents et de nourriture. Monsieur le Président, honorable assesseur, également mes remerciements à mes professeurs. Je leur rends un grand hommage pour les efforts concentrés afin de me conférer à une formation digne de nom, notamment Maître Zamosa Sowogui. Il s'est beaucoup battu pour moi et il a été à mon soutien et je le remercie infiniment. Merci Maître Zamosa Sowogui, avocat au barreau de Guinée, professeur à l'université de Sénat-Lancé-le-Comté. Et Monsieur le Président, après Zamosa Sowogui, je vais tourner la direction vers la partie civile, Monsieur le Président. Je remercie également Maître Alcine Assata Diallo, avocat au barreau de Guinée, Monsieur le Président, et qui s'est battu également pour moi le jour de ma soutenance. Il m'a dit de prendre le courage. Et Monsieur le Président, la soutenance s'est bien passée, mention très bien. Je le remercie infiniment. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, avant tout, permettez-moi de vous féliciter pour la patience. Monsieur le Président, la sérénité, votre bravoure, Monsieur le Président, votre sagesse, votre calme olympien, votre honnêteté, votre capacité d'écoute, Monsieur le Président, votre calme comme un arbre pacifique, Monsieur le Président. Vous avez toujours accepté l'équilibre dans ce procès, Monsieur le Président, et le maximum de respect accordé à nos clients, Monsieur le Président, notamment le président capitaine Moussa Dadis Camara, commandant Tomba Diakité, colonel Moussa Tchegourou Camara, Paul Mansa Guilabogui, Marcel Guilabogui, Blaise Gaumont, docteur Abdoulaye Sirifo Djabi. Et sans oublier, Monsieur le Président, également Mamadou Aliou Keïta. Et également, Monsieur le Président, CC Raphaël Haba et Abakar Camara, communément appelé Kalonzo. Monsieur le Président, au début de ce procès, jusqu'à maintenant, nous vous disons merci. Que Dieu vous protège, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous avez conduit les débats jusqu'à ce jour. Moi, si votre tribunal n'est pas parfait, mais le simple fait, Monsieur le Président, qu'il existe, construit un acquis pour le peuple de Guinée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous sommes fiers de vous. Cette composition, vraiment, Monsieur le Président, nous comptons sur cette composition. Nous savons que, Monsieur le Président, vous allez dire la vérité. Oui, vous allez dire le droit. Et rien que le droit, Monsieur le Président, contrairement au parquet qui a passé à côté. Je vais en venir tout à l'heure au parquet. Monsieur le Président, nous, avocats du collègue Tchegourou Camara, submergés de réconfort moral, devenir réaliser ce procès au bon moment. Surtout au moment où notre client, colonel Moussa Tchegourou Camara, jure encore pleinement de ses facultés mentales, Monsieur le Président, où il est encore serein, très serein, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Où se rappelle encore de moindres détails sur son rôle républicain.
ce jour du 28 septembre 2009. Cela, Monsieur le Président, n'a été possible que par la grâce de Dieu et sous le leadership politique du patriote ACV dans lequel ce procès ne serait jamais tenu. Je vais nommer, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, sans langue de bois, nommer Général Mamadi Doumbouya. Son Excellence, le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, Monsieur le Président. Merci à mon Général Mamadi Doumbouya. Fakoli Koumba, Fakoli Daba, Niam Niam Koukouli. Merci, mon général, de lever le tabou sur un dossier du droit relatif au crime qui devrait se traiter ordinairement depuis des années, si la volonté politique y était. Sapo, mon général, qui a tout le temps souhaité la réconciliation pour la refondation, rassemblement, la rectification, le repositionnement, le redressement. Monsieur le Président, que Dieu le protège également. Monsieur le Président, certes, Monsieur le Président, il y a eu des incidents, parfois même des dérapages, ce qui est tout à fait normal. Dans un procès criminel, Monsieur le Président, les dérapages, des incidents, Monsieur le Président, c'est obligatoire en matière criminelle. Car il n'aurait pu être autrement. Mais dans l'ensemble, Monsieur le Président, nous avons appris des uns des autres ce qui est important. L'essentiel, c'est de comprendre, Monsieur le Président, et dire l'essentiel. Monsieur le Président, dans ce procès, le début, moi j'avais compris, franchement j'avais compris, je disais que, attention, je suis venu pour comprendre. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, j'ai compris qu'également, il faut apprendre. Oui, j'ai compris que je suis en train d'apprendre. Pas pour comprendre, mais d'apprendre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes distingués assesseurs, c'est que ce procès a été et sera pour longtemps une école pour tous les Guinéens. Ah oui, Monsieur le Président, pour la première fois, vous êtes rentré dans l'histoire avec vos éminents assesseurs, Monsieur le Président, qui vous entoure. C'est pour cela, Monsieur le Président, chaque Guinéen aujourd'hui, quel que soit l'endroit où il se trouve, s'attend à ce que vous rendiez une décision qui se trouve dans votre intime conviction. Ah oui, Monsieur le Président, à côté des intimes convictions, il y a également le droit. Oui, Monsieur le Président, à côté des intimes convictions, il y a également le droit, l'instrument juridique. C'est sur ça, Monsieur le Président, que vous allez vous baser pour prendre une décision. Monsieur le Président, avec vos seules influences, la loi, rien que la loi, Monsieur le Président, encore dans tout ça. C'est pourquoi nous insistons sur les instruments juridiques. Devant nous, Monsieur le Président, c'est écrit, dura lex, c'est lex, Monsieur le Président. La loi est dure, mais c'est la loi. Ah, Monsieur le Président, mes distingués assesseurs, rien que l'application de la loi, Monsieur le Président. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, Monsieur le Président. Il faut dire simplement le dit et le droit. Monsieur le Président, et franchement, moi je suis très très content de vous parce que ce n'est pas la première fois que je suis en train de vous pratiquer. Nous avons travaillé longtemps, Monsieur le Président, devant le tribunal première instance de Mamou. Je me rappelle 285 dossiers correctionnels et criminels, Monsieur le Président. Dans 2 ans, nous avons complètement fini mes antibiotiques. Je suis fier de vous, Monsieur le Président. Je sais que dans cette affaire, vous allez dire le droit
avec vos assesseurs. Mes assesseurs, Monsieur le Président, Monsieur Alpacer Silla, que j'ai connu, Monsieur le Président, depuis quand il était à l'abbé, un magistrat chevronné, Monsieur le Président. Et quant à Boubacar Kiam, Monsieur le Président, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Un magistrat fait. Il ne connaît que le droit. Il s'appuie sur les textes, Monsieur le Président. C'est ça, un magistrat. Mais un magistrat, Monsieur le Président, en langue de journée, que ce soit des instructions et l'appliquer à la lettre, c'est grave. Mais je vais venir tout à l'heure, Monsieur le Président, pour ces magistrats bureaux. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, votre juridiction n'est pas une juridiction de vengeance. Nous avons compris dans ce procès, Monsieur le Président, et la position de quelques parties civiles, également quelques témoins dans cette affaire. Nous allons revenir tout à l'heure, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes distingués assesseurs, permettez-moi de dire grand merci aux journalistes pour les dire également merci. La presse, les médias en général. Monsieur le Président, je vous informe que le tout premier président américain, Monsieur Joseph Thomas, Monsieur le Président, qui disait, si on me faisait choisir entre un gouvernement sans journaux et des journaux sans gouvernement, je n'hésiterais pas en un seul instant à adopter la deuxième position. La deuxième position, c'est quoi, Monsieur le Président? Il s'est beaucoup appuyé sur la presse. Il s'est beaucoup appuyé sur les médias. Il a accordé beaucoup d'importance sur les médias, Monsieur le Président. C'est pourquoi, ici, Monsieur le Président, je vais accorder beaucoup d'importance aux médias, la presse. Monsieur le Président, je remercie la presse. Que ce soit la presse privée ou la presse publique, Monsieur le Président, les grands caméramans de la RTG. J'ai venu tout à l'heure, Monsieur le Président, avec les grands caméramans, Monsieur le Président, j'ai vous donné des informations concernant mon président. Capitaine Moussa Dadis Camara, celui qui a cité les caméras là. J'en viens, je vais donner beaucoup de détails. Monsieur le Président, les grands caméramans des télévisions privées, je vais parler Espace TV, West Africa TV, Évasion Guinée, Gangan TV, Dioma TV, Kabi TV et les grands reporters des radios privées. Présente ici, Monsieur le Président, je vais nommer également Espace FM, Dioma FM, Évasion FM, Gangan FM, Liberté FM, Sabari FM, Horizon, aussi la presse en ligne, notamment Reflet Guinée, Guinée Matin, West Africa, Africa.com, Lola TV, Africa.com et Mosaïque, Monsieur le Président. En général, la presse nationale et internationale, publique et privée. Je vous remercie infiniment la presse. Monsieur le Président, je continue. Monsieur les assesseurs, la presse a été l'œil et l'oreille du peuple. Sans elle, cette affaire serait passée inaperçue. Ah oui? Ah oui, c'est pourquoi je dis que je vais beaucoup parler sur la presse. Monsieur le Président, à l'instant T, c'est déjà ventilé. Monsieur le Président, je vous remercie également. Je remercie également nos stagiaires qui nous ont très utiles dans ce procès. Car il arrive à un moment pour un stagiaire peut souffler ou glisser un papier entre les mains de son maître de stage qui comporte des questionnaires, Monsieur le Président, qui sont pertinentes, des remarquables, très pertinentes, Monsieur le Président, qui soient félicités. Vivement félicités, Monsieur le Président, leur présence n'a pas été inutile dans cette salle. Alors, Monsieur le Président, nous les remercions beaucoup, nos stagiaires. Monsieur le Président, alors, je ne vais pas oublier, Monsieur le Président, notre interprète. Ah oui. Grâce à lui, Monsieur le Président, certains accusés, certaines victimes et témoins ont pu se faire comprendre devant votre tribunal. Monsieur le Président,
il a joué un rôle important. La traduction, Monsieur le Président, c'est très, très, très difficile, Monsieur le Président. Je vous vivement remercié. Monsieur le Président, je n'ai pas oublié, enfin, la carte pénitentiaire, Monsieur le Président. Ils sont dans cette salle qui souffrent énormément derrière nous, Monsieur le Président. Que ce soit les magistrats, que ce soit les huissiers, que ce soit les avocats, ils souffrent énormément derrière nous, sous la pluie, sous le soleil. Nous les remercions vivement, la garde pénitentiaire, de là à Conakry jusqu'à l'intérieur. Nous vous remercions infiniment, la garde pénitentiaire. Monsieur le Président, Monsieur le Président, avant que je présente ma plaidoirie, je voudrais présenter mes condoléances aux familles effleurées. Que leurs âmes reposent en paix. Je tourne la direction vers les parties civiles dans cette salle, Monsieur le Président. Monsieur le Président et honorable assesseur, cette disparition prématurée de nos mamans, de nos papas, de nos frères et sœurs, Monsieur le Président, est là pour nous rappeler que nous sommes des hommes. Des hommes qui sont de passage sur terre. Hier, ils étaient comme nous et parmi nous, Monsieur le Président, et demain, nous serons comme eux et parmi eux. Ah oui, Monsieur le Président. La vie, c'est comme ça. Ils étaient parmi nous hier. Et, Monsieur le Président, nous serons comme eux. Demain. Monsieur le Président, cette disparition nous rappelle que tôt ou tard, nous nous retournons sur notre Créateur, le Tout-Puissant Allah. Nous nous retournons vers lui pour répondre non seulement de nos bienfaits, mais aussi, Monsieur le Président, de nos péchés. Un retour définitif. C'est ce passage-là que le ministère public a fait des réquisitions bidons. Mais j'en ai. Monsieur le Président, vers le Créateur du Jérusalem, sans aucun espoir de revenir sur terre pour corriger ou améliorer notre passé. Que Dieu nous pardonne, Monsieur le Président. Monsieur le Président, que nous soyons musulmans, chrétiens ou athées, Monsieur le Président, la vie d'un homme sur terre n'est qu'un espace de transit où chacun collecte son bonheur sur le malheur pour l'éternité, Monsieur le Président. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Tout ce que nous faisons, Monsieur le Président, est mentionné à la minute. En réalité, dans ce procès, nous avons tout vu et tout entendu, Monsieur le Président. Et je vais vous rassurer que j'ai beaucoup appris. Ah oui, j'ai beaucoup appris dans ce procès, Monsieur le Président. Parce que, tout simplement, j'ai tout entendu dans ce procès, j'ai tout vu dans ce procès. J'ai compris maintenant, Monsieur le Président, c'est quoi un avocat. Le rôle d'un avocat, un magistrat. Monsieur le Président, j'ai davantage compris. J'ai appris avec regret, Monsieur le Président, malgré toutes les souffrances que la Guinée a subies de l'indépendance à nos jours, certains n'ont tiré aucune leçon de notre histoire. Ah oui, Monsieur le Président, le pouvoir. Monsieur le Président, quand vous êtes dedans, c'est pour éviter les dérapages. C'est pour éviter des instructions qui sont contrairement à la loi, Monsieur le Président. J'ai appris avec regret, Monsieur le Président, que malgré toutes les souffrances,
que la Guinée a subi de l'indépendance à nos jours, certains n'ont tiré aucune leçon de notre histoire. J'ai appris dans ce processus, Monsieur le Président, quand j'étais loin d'imaginer, quand j'étais tout jeune étudiant, j'ai appris que les jeunes pouvaient se nourrir d'autres hommes. Car sacrifier son prochain pour le pouvoir ou l'argent, c'est carrément de se nourrir de sa sœur. Même si devant ce tribunal, certains Guinéens ont joué et continué de jouer avec la vie et la liberté de leurs frères et sœurs. Je m'adresse, Monsieur le Président, ce passage aux accusés. Mon président, capitaine Moussa Dadis Camara, commandant Tomba Diakité, colonel Moussa Tcheboro Camara, Blaise Gomou, Abakar Camara Di Kalonzo, docteur Abdoulaye Serifo Diaby, Paul Mansa Guilavogui, Marcel Guilavogui, Mamadou Aliou Keta, Monsieur le Président. Ah oui, on a compris que c'est des vengeances, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le Président, nous allons vous présenter, d'ici la fin des plaidoiries, la liste des vraies victimes. Monsieur le Président, devant les médias, j'ai tout en rappelé. Je dis qu'il y a les fausses victimes, il y a les vraies victimes. J'ai tout en rappelé ça devant la presse. Monsieur le Président, je vais envoyer la liste là, lire avec les documents. Monsieur le Président, certains hommes seraient capables de vendre toute leur famille au profit d'un poste ou juste pour perdre de celui qu'ils ont. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, dans cette affaire du 28 septembre, les aimables citoyens sont poursuivis devant votre juridiction pour juger des faits que vous avez appréciés, vous avez étudiés, analysés, pesés dans les conditions normales. Mais Monsieur le Président, ce ne sont que des innocents. Les 11 accusés, Monsieur le Président, sont des innocents. Monsieur le Président, mais avant tout, permettez-moi de vous livrer les grandes lignes de mon intervention. Le premier point, Monsieur le Président, concernera les faits dans leur vrai contexte. Mais, Monsieur le Président, au niveau des faits, mon éminent confrère, Maître Jean Moussa Sobogui, Monsieur le Président, a donné des détails. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur ça pour ne pas perdre de temps. Oui, Monsieur le Président, sur les faits, je ne vais pas donner de détails par rapport à ça pour ne pas perdre de temps. Et Monsieur le Président, il y a trois manières de perdre le temps. Faire semblant, faire ce que vous n'avez pas dû faire et faire le contraire. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de ne pas revenir sur les faits. Monsieur le Président, deuxième point sera consacré à la démonstration de l'inexistence des infractions reprochées à mon client, colonel Moussa Tcheboro Camara, et d'ailleurs, les autres accusés. Troisième point, Monsieur le Président, enfin, portera sur les missions de mon client, colonel Moussa Tcheboro Camara, ministre d'État, secrétaire d'État à la présidence, chargé de la lutte contre la drogue, le grand banditisme qui est crime organisé. Monsieur le Président, colonel Moussa Tcheboro Camara est un homme de valeur. Monsieur le Président, comme je vous ai dit, par rapport aux faits, ce que je retiens du 28 septembre 2009, c'est que c'est une date historique. C'est une date historique, Monsieur le Président, où s'est passé des événements qui ont endeuillé toute la Guinée, pour ne pas dire toute la communauté internationale. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, mon souhait,
c'est de ne plus voir se répéter un tel événement dans notre pays qui aspire à la paix. Monsieur le Président, c'est dans cette salle que j'ai entendu de l'autre côté l'un des avocats de la partie civile. Monsieur le Président, devant ce tribunal, en face du monde, au lieu de dire qu'il y a eu 57 morts, il se permet, Monsieur le Président, sans preuve, pour dire que tout simplement, il y a eu 2652 morts, 1480 blessés, 1000 femmes violées. Monsieur le Président, c'est Maître Tion Amadouri qui a donné la déclaration. Et Monsieur le Président, Astaghfirullah, que Dieu sauve la Guinée, Monsieur le Président. Et donne des chiffres, Monsieur le Président, pour dire tout simplement que c'est ce nombre-là. Sans dévoter, Monsieur le Président, les moindres preuves. Je ne sais pas, Monsieur le Président, comment cet avocat a eu ces chiffres. Alors que dans ce dossier, Monsieur le Président, la Croix-Rouge a bien précisé et dit 57 morts. Je me demande d'où viennent ces chiffres. Et comment il s'est retrouvé avec ces chiffres-là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, par rapport aux infractions reprochées à mon client Kouna Moussa Tchégoursama, poursuivi pour meurtre, assassinat, complicité d'assassinat, enlèvement, séquestration, complicité de coups et blessures volontaires, violence volontaire, complicité de vol à main armée. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, les faits punis et prévus par la loi, l'article 206, 208, 303, 304, 305, 306.11, 12, 13, l'article 232, 233, 234, 156, 339, 240, 242, 268, 269, 372, 381, 382, 297, 298, 19 et 20, Monsieur le Président. Toutes ces infractions, et voilà, c'est les 11 accusés, sans apporter des moindres preuves, Monsieur le Président. Pour ce qui concerne de la complicité de vol à main armée, dans cette affaire, Monsieur le Président, c'est pourquoi je me vais aborder les incohérences des infractions articulées contre mon client ici, reprochées à mon client Kouna Moussa Tchégoure Camara. Mais Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, je dirais tout simplement que ce sont des injures à l'égard de mon client Kouna Moussa Tchégoure Camara. Ce gendarme qui s'est battu pendant 15 ans, Monsieur le Président, pour la nation, pour qu'il y ait la paix, la stabilité, la liberté, Monsieur le Président, d'aller et de revenir, qui se trouve devant vous depuis le 28 septembre 2022 pour être jugé. Mais Monsieur le Président, le 27 septembre 2022, c'était vers 16h, quand j'ai vu le cas venir, j'ai dit attention, j'ai dit à un confrère, j'ai dit, ils ont venu prendre le client, ils vont les envoyer en détention. Ah, j'ai compris immédiatement. Ce jour-là, Monsieur le Président, c'était le 27. J'ai dit à mes confrères qui étaient à côté de moi, j'ai dit, j'ai pas confiance à ce parquet. Jusqu'à la fin de ce procès, je n'ai pas confiance à ce procès, à ce parquet. Ce sont des parquetiers que je n'ai pas confiance. Je suis parti plus loin.
J'ai demandé l'un des procureurs. Je dis, hé, vous envoyez nos clients en détention sans une décision de justice, sans un mandat. Il y a un procureur qui m'a dit, monsieur le président, qu'il assume. Je dis, ah, c'est fini. C'est fini. Ah oui, monsieur le président, je dis, c'est fini. Sans un mandat, sans une décision de justice. Le registreur, à l'époque, monsieur le président, lui aussi a accepté de recevoir nos clients sans une décision de justice, sans un mandat. C'est pourquoi, monsieur le président, en matière criminelle, et quelquefois des dossiers politiques, si mon dossier se trouve devant le tribunal première instance de victime, je lave ma main. Parce que, monsieur le président, cette juridiction, du côté du parquet, c'est des instructions. La loi à côté, monsieur le président, mais c'est des instructions. Monsieur le président, monsieur le président, il ressort de l'ordonnance de renvoi numéro 007 du 29 décembre 2017 qui résulte de plusieurs témoignages et la déclaration des parties civiles que les gendarmes de services spéciaux ont sous la menace des armes frauduleuses soustraire des numéraires, monsieur le président, des téléphones et autres objets au préjudice des manifestants. Monsieur le président, messieurs les assesseurs, ces assignements constituent des crimes de vol à main armée. Ces crimes ont été commis au vu au sud de Colonel Moussa Thiogoro Camara. Sauf qu'ils n'ont pas apporté les moindres preuves. Mais monsieur le président, les juges ne sont pas allés au bout de leur raisonnement. C'est ça, monsieur le président, le paradoxe dans cette affaire. Le pouls des juges d'instruction, monsieur le président. Ils ont mal travaillé, monsieur le président. Un sale boulot. C'est dans ça, monsieur le président, que le ministère public s'est aligné pour distribuer des peines. Dans cette affaire, monsieur le président. Monsieur le président, qui sont ces témoins et partis civils qui ont vu les gendarmes des forces spéciales voler? Qui a donné cette déclaration? Un seul gendarme, monsieur le président. Une partie civile ou un témoin? Dans cette salle, monsieur le président, depuis le début de ce procès, nous n'avons pas entendu et nous n'avons pas vu. Monsieur le Président, ces témoins, les parties civiles et même à l'enquête préliminaire peuvent souvent commettre les erreurs, monsieur le Président. Vous savez, monsieur le Président, les erreurs judiciaires, ce n'est pas seulement les magistrats. C'est depuis à l'enquête préliminaire. La police, monsieur le Président, la gendarmerie, les témoins, monsieur le président, les partis civils, les accusés même entre eux, monsieur le président, peuvent commettre les erreurs judiciaires. On va vous donner beaucoup d'exemples tout à l'heure, monsieur le président, vous allez comprendre. Monsieur le président, ces gendarmes des forces spéciales ont-ils été identifiés? Qui a été identifié dans cette salle, monsieur le président, qui l'a volé? Qui? On vous a communiqué des noms? Un seul nom de celui qui a volé. Pour le moment, monsieur le président, nous n'avons pas, en tout cas, vu dans cette salle encore.
Monsieur le Président, il détenait quel type d'armes? Les éléments de force spéciaux. Quel type d'éléments? Monsieur le Président, PMK, pistolet, Monsieur le Président, calibre 12, quel type d'arme? Et Monsieur le Président, pour la première fois, quand nous avons commencé les audiences, j'ai vu je pensais que c'est des armes qui sont dedans. J'ai dit, mais attention, je suis parti à la maison et je n'ai pas pu dormir. Après, à la longue, Monsieur le Président, j'ai compris qu'il n'y avait absolument rien dedans. Absolument rien. J'ai eu même peur pour ne pas que le ministère public emporte des armes pour dire que ce sont des armes qui ont été utilisées au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans ce rôle d'encadrement, ils jouent un rôle important, très important, Monsieur le Président, l'encadrement des manifestants, juste pour éviter que les bandits pillent boutiques et magasins. Monsieur le Président, ça c'est la mission de Koulé Moussa Thiogour Camara. Lorsqu'il y a la manifestation, Monsieur le Président, c'est l'encadrement. Pour éviter des pires, Monsieur le Président, il a toujours fait. Mais aujourd'hui, on dit non, tout ce qui s'est passé au stade du 26 septembre, c'est Koulé Thiogour Camara, il était là le matin, il était là à 14h, il était en Bourrage Paris, etc., Monsieur le Président. Simple déclaration. Monsieur le Président, Koulé Thiogour Camara, pour l'encadrement, est toujours resté avec son équipe sur l'arrière-plan, Monsieur le Président, pour éviter les pires. Monsieur le Président, dans cet encadrement, derrière, lorsqu'il voit que vraiment ça chauffe, Monsieur le Président, entre les marcheurs et les agents de maintien d'ordre, il arrivait qu'on signalait au chef de département que sa présence avec la population ou sa popularité peut calmer la foule. Et dès son arrivée, Monsieur le Président, sur le terrain, généralement, c'est l'applaudissement populaire. Et un compromis est trouvé par son dialogue. Cela a été fait plusieurs fois, Monsieur le Président, mais le Guinéen oublie vite. C'est ça notre problème. Vous allez faire le bien aujourd'hui, demain, tout le monde oublie. Sinon, l'arrivée du CNDD, il n'y a pas ce que CNDD n'a pas fait. Il n'y a pas ce que Capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas fait dans les 9 mois, Monsieur le Président, avec son gouvernement. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Éradiquer complètement, Monsieur le Président, le banditisme, la drogue. Mais aujourd'hui, voilà, on le récompense de cette manière. Monsieur le Président, en 2009, l'arrivée du président Cheikh Alan Diallo a été un accueil chaleureux, jamais égalé, Monsieur le Président, à mon sens, avec une foule immense, très compact. Et de l'aéroport à son siège, Monsieur le Président, il était sécurisé, cette foule, plus que la foule du 28 septembre. Ah oui, Monsieur le Président, vous savez, là, c'est dans le cas, il bouge, ce que ça fait. La foule qui était au 28 septembre, Monsieur le Président, c'est pas une foule comme ça. Mais l'arrivée de Elassir Diallo, Monsieur le Président, c'était vraiment une foule compacte. Jamais vu, Monsieur le Président. Mais le service spécial à la tête, Colonel Moussa Thiogour Camara, et les manifestants ont été encadrés jusqu'à son domicile. Le président de l'IFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, Monsieur le Président, était content, dépassé du service spécial.
il a été remercié devant tout le peuple de Guinée. Voilà, Monsieur le Président, c'est pour éviter des pires. Monsieur le Président, vous savez, quand Elhadj Seydal Ndiaye le bouge, c'est la masse populaire indescriptible. Les marcheurs, Monsieur le Président, les motards, les véhicules, Monsieur le Président, personne ne peut et compter encore de plus. Plus facile à canaliser, Monsieur le Président, Colonel l'a fait sans incident. Et Monsieur le Président, comme je vous ai dit, Elhadj était content et il ne peut que remercier le service spécial. Monsieur le Président, sur les infractions toujours, des numéros ont été soustraits. À quelle hauteur? Oui, parce qu'on parle de vol, Monsieur le Président. À quelle hauteur les numéros qui ont été soustraits? À quelle hauteur, Monsieur le Président? Cela n'a pas été démontré par devant votre auguste tribunal. Et c'est grave, Monsieur le Président. Des accusations portées contre nos clients. Et, Monsieur le Président, quand je dis hauteur, en euros, Monsieur le Président, en francs guinéens ou en francs CFA? C'est cela que je parle, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Combien de téléphones ont-ils été frauduleusement soustraits? Combien de téléphones, Monsieur le Président, qu'on vous a présentés? Des téléphones de quelle marque? C'est cela, Monsieur le Président. Ils n'ont pas pu démontrer cela devant ce tribunal criminel. Monsieur le Président, en droit pénal, c'est ce que le législateur a dit. Il dit qu'il a bien justement l'administration de la preuve. Monsieur le Président, les autres objets sont de quelle nature? Quelle nature, Monsieur le Président? Des sacs de riz, des bidons d'huile, fer à béton, ciment, Monsieur le Président, etc., etc. Aucune preuve, Monsieur le Président, n'a été apportée, alors qu'il était nécessaire, Monsieur le Président, conformément à l'article 497, 498 et 499, et souvent, Monsieur le Président. Aucune preuve devant ce tribunal. Et après, on le poursuit pour vol à main armée et autres, Monsieur le Président. Sur l'existence du fait principal punissable, Monsieur le Président, on se demande que les juges d'instruction ont fait du système d'emprunt de criminalité. Puisque les actes de complicité tirent leur caractère délictueux de l'acte de l'auteur principal, Monsieur le Président. Cela n'a pas été prouvé par devant vous. Malheureusement, les contours de ces actes ne sont pas précises par les juges d'instruction. Un travail bâclé pour juste envoyer nos clients en détention, Monsieur le Président. Au niveau des infractions, on fait couper-coller. Quand le Moussa Tchogoro passe, les infractions énumérées, on ne fait que couper et coller, mettre sur Mamadou Aliou Kita, etc., etc. C'est ce qu'ils ont fait. Et ce travail, Monsieur le Président, mal fait, Monsieur le Président, c'est ce que le ministère public vient soutenir devant vous aujourd'hui pour soutenir leur accusation contre nos clients. Pire, Monsieur le Président, il se contente d'affirmer que ces crimes ont été commis au vu et au su de Moussa Tchogoro Camara. Or, la complicité par abstention n'existe pas en droit pénal guinéen. Là, je n'apprends personne. En effet, la complicité n'est punissable que si les actes correspondent à ceux décrits à l'article 20 du Code pénal guinéen sont réalisés. Tel n'est pas le cas, Monsieur le Président, en espèce. Il n'y a donc pas d'acte matériel de complicité. Est-ce qu'une complicité par aide, assistance, par instigation? Monsieur le Président, cela n'a pas été débattu.
En droit pénal, au niveau des infractions, moi je parlerai seulement de l'élément matériel. Chaque infraction, monsieur le président, en matière criminelle, en matière correctionnelle, moi je me focalise souvent sur l'élément matériel. Les autres éléments, monsieur le président, je n'en ai pas besoin. Trop. Oui, l'élément matériel, oui, ça suffit largement. C'est ce que nous n'avons pas vu ici, monsieur le président, contre nos clients. Plus grave, au cours des débats, aucune partie civile, sauf erreur, monsieur le président, ni un témoin n'a affirmé que Colonel Moussa Diogo Camara a fourni des moyens, a aidé ou a assisté, monsieur le président, qui que ce soit, dans la réalisation des vols à main armée. Monsieur le président, mais nous ne l'avons pas constaté. Aucun témoin, aucune partie civile par rapport au préau. Rien, monsieur le président. Monsieur Al-Ghassim, monsieur le président, a rappelé et il a dit beaucoup de choses par rapport à ce témoignage. Monsieur le président, je vais parler un peu sur l'irrecevabilité de la constitution de parti civil. Là, monsieur le président, mon éminent confrère, Maître Jean Moussa Souvougui, a rappelé tout à l'heure. Je ne vais pas donner de détails par rapport à ça. C'est juste, monsieur le président, je vais vous dire l'article 156 du Code de procédure pénale. Et il a donné des détails, monsieur le président. C'est pourquoi je ne vais pas revenir sur les faits. Alors, monsieur le président, voilà quelques parties civiles et témoins qui ont dit clairement ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et ils n'ont ni augmenté, ni diminué, monsieur le président. Je vais prendre monsieur Baoul. Monsieur le président, je vais lire une partie. Qui disait devant ce tribunal criminel qu'il reste reconnaissant pour la vie à l'égard de Colonel Moussa Diogo Camara, pour l'avoir sauvé ce jour du drame du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, je me limite là-bas. Aujourd'hui, Colonel Diogo Camara a fait ceci, a fait cela, tantôt à l'esplanade, tantôt en face de la pharmacie humanisée, tantôt au camp. Voilà le contraire, monsieur le président. Baoury vous a dit, c'est noté dans le primitif criminel, monsieur le président. Après, monsieur Baoury, monsieur le président, monsieur le ministre Lucien Pal disait également à cette barre, devant le peuple de Guinée et devant ce tribunal, que Colonel Moussa Diogo Camara est courtois. Monsieur le Président, il a dit et s'est mentionné devant vous. Monsieur le Président, Monsieur Lucien Fall ne pouvait pas aller au-delà de ce qu'il a vu au stade. C'est ce qu'il vous a en parlant de Colonel Moussa Diogo Camara. Monsieur le Président, devant ce tribunal, nous avons compris la position de certaines parties civiles et même les témoins fabriqués, montés, Monsieur le Président. Mais nous avons tout compris. Tout ce qui s'est passé, on a compris. On a compris. Monsieur le Président, Dr Ben Issoufou Keïta, mon éminent confrère, il a déjà expliqué la partie. Je vais revenir sur Boubacar Al-Ghassim. Ah, Monsieur le Président, le correspondant de BBC.
témoin de taille de la partie civile, a largement parlé sur la qualité de l'officier en terminant qu'il était un officier applaudi devant n'importe quelle situation par sa popularité légendaire et à l'égard à son travail de patriote. Ah non, c'est M. Al-Gassim qui a donné les déclarations devant ce tribunal. On oublie tout ça, on dit c'est Colonel Tchegourou qui a fait cela, il a fait cela. Amadou Diallo, Monsieur le Président, qui disait sans gêne que dans l'histoire de ce pays, deux officiers ont marqué leur passage dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité. Il s'agissait, selon le grand journaliste, de faire commandant Dao. Il a dit, c'est mentionné, Monsieur le Président. Deuxième, c'est qui? C'est Colonel Moussa Tchegourou Camara, cet officier respecté, Monsieur le Président. Dans toute la Guinée, Monsieur le Président. Amadou Diallo n'est pas n'importe qui dans ce pays, Monsieur le Président. Il y a des officiers, mais c'est commandant Dao et Colonel Tchegourou Camara qui ont été félicités devant ce tribunal criminel. Ça suffit largement du côté du parquet. Ça suffit. Monsieur le Président, Salimato Barry, une victime, disait qu'à l'esplanade ce jour, Colonel Moussa Tchegourou Camara, l'officier républicain, leur demandait même pardon de se retourner à la maison pendant qu'il disait devant cet interdit. Monsieur le Président, c'est une partie civile. Par devant vous, c'est Salimato qui a déclaré cela. Ça, c'est au compte de Colonel Moussa Tchegourou Camara, Monsieur le Président. Et moi, j'avais dit à Maître Zamoussa Sobeki, je dis, mais Maître, je ne comprends pas, celui qui vient, on dit c'est Colonel Tchegourou Camara. Celui qui vient, on dit que c'est Colonel Tchegourou Camara. Mais on a compris ce qui est derrière cela. Moi, je le dirais tout simplement. Ce n'est pas l'affaire du 28 septembre que Colonel Moussa Tchegourou est là. Oui. Pour voiler la passe, Monsieur le Président, on dit que c'est le 28 septembre. Mais derrière, on a compris. L'affaire du drogue, faux médicaments. Ah oui. Grand banditisme. À l'époque, Monsieur le Président, tous ceux qui ont été arrêtés, nous avons vu beaucoup de personnes par devant vous. Uniquement pour charger Colonel Moussa Tchegourou Camara. Uniquement. Et pourtant, ce jour, il n'était pas le seul officier. Et les autres officiers, même un seul pas. Si les autres officiers venaient, Monsieur le Président, on ne serait pas là aujourd'hui. Monsieur le Président, en République de Guinée, dès qu'il y a un problème, on dit que c'est Colonel Tchegourou, il faut appeler. Oui, c'est lui qui peut calmer. Hein. Les autres officiers, Monsieur le Président, personne ne peut oser aller. Personne. Pour calmer la tension, on dit appelez Colonel Moussa Tchegourou Camara. Il va trouver tout de suite la solution. Et dès qu'il arrive là, tout de suite là, il n'y a plus de tension. C'est lui. Monsieur le Président, après lui, j'ai parlé du nom de ce gendarme-là, officier supérieur. Après lui, Monsieur le Président, l'officier qui peut venir tout à l'heure, calmer la tension, Monsieur le Président, trouver la solution, après qu'on ait Tchegourou Camara, Monsieur le Président, en République de Guinée, c'est Colonel Mamadou Alpha Barry. Ah oui, Monsieur le Président, c'est Colonel Mamadou Alpha Barry. Vous le connaissez certainement. Monsieur le Président, je continue. Monsieur Kerné Mangisso, victime, Monsieur le Président, également, a surpris en demandant qu'il soit permis de remercier Colonel Moussa Tchegourou Camara d'avoir rendu un jour un acte humain à l'égard de son frère. Monsieur le Président, pour ce qui concerne Colonel Tchegourou Camara,
nous allons parler aujourd'hui, toute la soirée d'aujourd'hui, et revenir, continuer à parler encore. Pour que le Nétiogu, quand même, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas finir. Nous ne pouvons pas finir, Monsieur le Président. Voilà, aujourd'hui, on le traite de tout. C'est un officier, Monsieur le Président, bien formé. Général Ansoumane Camara, Monsieur le Président, je témoigne également. Maître Jean-Moussa Sobougui a déjà parlé, donc je vais continuer. Monsieur le Président, Colonel Gabriel Tambay Diawara, témoin du parquet, il a été clair sur la personnalité de Colonel Moussa Diawara Camara et disait que cet officier est un homme de principe. Cela résume tout. Cela résume tout, Monsieur le Président. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas citer tout le monde. Monsieur le Président, le président de la commission, Sirban Kouyaté. Alors, le président de la commission nationale d'enquête indépendante, magistrat de haut niveau, dans son audio, passé devant tout, il a été clair sur le rôle politique joué ce jour du 26 septembre 2009 par Colonel Moussa Tchougoul Camara. Et même les leaders avaient notifié à ne pas dire mieux. Le président de la commission, nous avons écouté ici, Monsieur le Président, sur l'audio. Colonel Moussa Tchougoul Camara, Monsieur les assesseurs, il a été félicité. Énormément félicité. Nous avons écouté. La partie civile ne pourra pas dire le contraire. Et, Monsieur le Président, c'est le Président de la commission qui parle, Monsieur le Président. Parlez de cet officier. Monsieur le Président, la complicité des voiles armées n'était donc pas été établie à son égard. Il y a donc, Monsieur le Président, de l'acquitter purement et simplement pour crime non constitué. Oh. Avec les éléments que je viens de détailler, Monsieur le Président, acquitté purement et simplement Colonel Moussa Tchougoul Camara par rapport à cette infraction, également des autres infractions, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, je vais plus loin, il n'est pas le seul, Monsieur le Président. Acquitté purement et simplement Président, capitaine Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président. Abakar Toumba Diakité, Abakar Camara Toumba Diakité, Marcel Guilabogui, Docteur Abdelaziz Serif Diaby, Paul Mansa Guilabogui, Monsieur le Président, Blaise Gomou, excusez-moi, Monsieur le Président, Mamadou Aliou Keita, Paul Mansa également, Monsieur le Président. Sans oublier C.C. Raphaël. D'ailleurs, jusqu'à présent, je suis passé pour le cas de C.C. Raphaël. Jusqu'à présent, je ne me retrouve pas. Quelqu'un qui était à côté de sa femme, on dit non, il a été au stade. C'est là où les magistrats ont passé à côté. Le mandat a été décerné, on l'a envoyé en détention. Mais c'est honteux, Monsieur le Président. C'est honteux. Et le cas de Abakar Camara, dit Kalonzo, quelqu'un qui était en détention. Kalonzo était en détention. On dit que Kalonzo était au stade. Mais c'est grave. Monsieur le Président, on ne peut pas comprendre cela. Voilà, Monsieur le Président, ici, j'ai campé ce que je sais de la complicité. Sur audio et vidéo, Monsieur le Président.
pouvez rester tranquille. Maître, l'audience n'est pas levée encore. Cette affaire est renvoyée au 4 juin 2024 pour la suite des plaidoiries. L'audience est levée. De vous.